Oh matelot! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed. Donc c'est Seven Seed Cabral. Et donc on va démarrer tout de suite. Donc on s'en est arrêté. Je résume un peu plus, enfin un peu rapidement. On s'en est arrêté au moment où il fallait capturer le Rhum, etc. Donc on avait détruit des bateaux, etc. Et on est allé, enfin, Satch et l'autre là, Hornigold, vous avez donné un drapeau noir pour symboliser qu'on était devenus des pirates. Donc voilà, et puis ensuite il y a une mission qui a démarré directement. Donc nous voici dans la mission. Là on doit récupérer une cargaison de métal. Et donc mes objectifs optionnels seront piller un navire de chasseurs, récupérer 30 unités de sauvetage. Trouver 3 fois plus de navires marchands que de navires militaires. Aïe, des trois faciles qui rapportent. Je vais baisser le son parce que sinon vous m'entendrez moins que le jeu. Je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. Donc voilà, une longue vue me permettra de. Compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton soul, Capitaine Kenway. De voir directement les bateaux. Il y a un peu de brouillard. Voile en vue! Un brick militaire à l'horizon! Tu as l'œil, toi! Tu te sens prêt, Kenway? Celui-là ne se laissera pas faire sans combattre! Vous êtes d'avis de prendre ce brick, les gars? Faites-vous entendre! Voilà le genre de raffut que j'aime! Tous à la manœuvre! 65. C'est cool ça, il m'en faut combien que 70? Ah, c'est dommage. Métal pillé, j'en ai pillé 3. Ah oui, c'est parce que j'en ai chopé tout à l'heure. Donc, et récupérer 30 unités de sucre. Il y a du sucre. Méfie-toi de la marine royale. Ah, ces capitaines l'ont tout autant tiré qu'est prenez. On va essayer ces barils de poudre. Ça fera de bonne mine. Oui, bonne idée. Le mortier prêt à faire feu. Un navire de guerre. Il a rien. Il porte le pavillon espagnol. Toute la toile au vent. Lâchez tout. Mais toute la toile. Et vous pensez ça. Capitaine, le coup qui est placé à cet endroit. On attend. Oui, oui, oui. Réduisez la toile. Je m'attaque un mec. L'arguer unier, perroquet. C'est là qu'il faut tirer. Feu. Feu. Ne les laisse pas nous percuter, capitaine. Et on continue. Feu. Capitaine, le coup bien placé à cet endroit. Feu. Ici. Oh, on aborde, capitaine. Allez, on va aller aborder. Oh, il s'est pris un boulet de canon en pleine face. J'espère qu'il y a quand même plus de personnes à choper que. Pas
pareil, ouais, j'aurais été plus. F. F. Ouais, on a gagné. Donc là, il faut que je le répare parce qu'il a pris bouillon. Les voilà. Et donc, est-ce que c'était un chasseur? Puis un navire de chasseur. Mais c'est quoi un navire de chasseur? Ça va. Donnez de la toile, prenons un peu de vent. Qu'est-ce qu'ils appellent un navire de chasseur? Serrez la main dessus. Donnez-moi de la toile. Là-haut, t'es fermé, à vos voiles. Je l'ai aidé à couler, je suis gentil. Donc ça, c'est une des nouveautés, les champs. Voilà. Là, donc, on est sur mon compte, mon premier compte. Et comme j'ai débloqué toutes les chansons, d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait. Hop, regardez. Nassau à 100%, une titille à 100%, et la Havane à 100%. Les autres, je les ai pas faites, vu que je suis pas encore allé dans ces îles. Donc, on verra bien. Sinon, vous avez vu, ça, quand on découvre des îles, ça les... ça découvre la map. C'est pas mal. J'ai hâte de découvrir toute la map. Canonnier. Chouineur. Carguez, vous autres! Les perlés, juste le dernier pouce! Défermez! Donnez la toile! Come breast the bars, bullies, heave away! Attention au choc! Il coule! Ils sont pas de taille face à nous! Toute la toile, plus vite que ça! Donc quand ça fait ça, c'est parce que moi j'ai envie d'aller en plus rapidement, mais je peux pas en fait. Alors j'ai envie d'appuyer le coup. Viens là, capitaine, juste là! Prêt à faire feu! Un navire ennemi droit sur nous! Un schooner! Oh des Espagnols! Un navire en douceur! Va nous faire sombrer! On va l'aborder. En bas, verrez toute la toile! Goodbye, Beth! Oh, ça va taper. Je pense que le danger est écarté. Prenez ce navire et pas de quartier! Oh. J'ai un peu fait. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais finir par aller regarder vite fait sur internet ce qu'est un navire de guerre, parce que c'est vraiment pas de... un chasseur aussi. Voilà. Bon, vous aviez du métal ou je vais cambrioler pour rien? Oh, il n'y avait pas de métal. Par contre, vous avez du rhum. Non, c'est du subkill, quoi. C'est pas du rhum. Donc, on va voir combien il manque. Enfin, si du moins j'ai réussi le défi. Suspense. Toujours pas, hein. Bon, je vais regarder vite fait sur internet. Notre navire, capitaine. On va se diriger vers là-bas. Et pendant que le bateau accélère, je vais risquer un navire de... Rappelez-moi avant. Allez.
stern, the weather in the lee. Low high, low low, and so sail we. I see a wreck to windward and a lofty ship to lee. A sailing down along the coast of high Barbary. Are you a pirate or a man of war? Go high, go low. Serrez, serrez toutes les voiles. Oh no, I'm not a pirate. Vive les gars, serrez les voiles. Voilà des... On est paré, capitaine. Feu. On tirait là, capitaine, juste là. Feu. On attend que l'ordre. Feu. Voilà son point faible, sœur. Feu. Feu. Allez, allez, allez. Là, il va falloir enfoncer dessus. Feu. Feu. Empêche-le-vous, Arthé. C'est bon. Envoyez la grand voile. Tiens. On a un peu de vent. D'accord, donc d'après ce que je viens de dire, en fait le navire chasseur c'est un navire qui va venir nous essayer de nous tuer quand on aura fait un peu trop de bordel. Oh la vache, lui c'est fait direct le canon, il avait même pas fait. Oh bah lui aussi. Hop, bon là t'es assez loin pour ne pas tomber dans l'eau. Voilà. Putain, y'a du monde. Oh, y'a un molosse. Ne laissez pas aborder! Hop. Hop. Eh, vas-y. Voilà, c'est bon. L'équipage moins. Ah, c'est lui qui devait être dans mon équipage. C'est bon. Ah non, j'ai perdu un équipage parce que j'ai perdu un. D'accord. Moi, je suis censé être au maximum des sables, donc apparemment il y aura peut-être des gens qui vont venir. Et donc, il faudrait que je le pille. Est-ce que j'ai eu le sucre? Ah, c'est bien battu. Quelle est la prise? Vous êtes on désormais compte, c'est certain. Je crois qu'il est temps de graisser quelques pattes pour se faire oublier. Excellente idée. Mais comment va-t-on se débarrasser de cette notoriété? En payant, mon gars. Un pot de vin versé aux fonctionnaires adéquats, et les militaires fermeront les yeux. Je vois. Je crois que je vais devoir aller rendre visite à ces Samaritains ou plutôt. Tu comprends vite. Gardez les catatois éliminés. Audris, carguez. Fermez la porte. C'est là qu'il vous tirait. On est paré, capitaine. Reste à bonne distance. Ouais. Paré, en faire feu. Un tir bien ajusté lui ferait traîner la base. Feu. Ils nous ont touchés. Feu. Raté. Tout est bien en place. Feu. Par l'enfer. C'est à côté. Oh le bloc. Oh la vache. Ça c'est du matos.
Les amis, cet ennemi n'est pas tout seul. Je sens que ça va péter là. Ah là, ça, je sais pas comment on l'active. Notre navire vient d'aider, capitaine. Oh, c'est là qu'il faut tirer. Ils font feu, capitaine. La cloison est en miettes. On a perdu la partie du navire. On a souffert là, capitaine. Capitaine, si on touche là, il ira par le pont. On attend le signal, sir. On s'en retrouve et on va par le pont. Eh, hey, tu fais quoi toi? Oh la vache, il lui reste encore toute sa vie. Ah oui, quand même, c'est chaud là. En même temps, ça arrivait à deux sur One. Les mines vont l'empêcher de se prenez. On subit des dégâts. Bon sang. Oui, 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 oui. Attention, Edouard. Attention, crash. Et merde. Je sais pas si je peux directement me barrer et sauter directement sur le bateau et aller les tuer direct. Est-ce que je peux plus? Ah, on s'est bien battu. Quelle est la prise? Non, on sait quand, c'est certain. Je crois qu'il est temps de graisser quelques pattes pour se faire oublier. Excellente idée. Non, non. Mais comment va-t-on se débarrasser de cette notoriété? En payant, mon gars. Un pot de vin versé aux fonctionnaires adéquats. Les militaires fermeront les yeux. Je vois. Je crois que je vais devoir aller rendre visite à ces Samaritains au plus tôt. Tu comprends vite. Mon pote là. Oh là. Voilà les ennuis, capitaine. Avec nos mortiers. Et voilà, j'en étais sûr. Comprenez-vous? Attention à la barre. Je vais le faire sourire. Merlin, perroquet, les cacatois. Il fallait que je m'en tape un deuxième. On avait pas assez de. Allez les gars, hop hop hop. On va dessus là. Ouais là j'arrive. J'arrive là, vous m'avez fait chier tout à l'heure. Vous allez prendre cher dans vos fesses. J'arrive, j'arrive. J'ai plus goût, toi. Allez, mais. Un par un, vous allez prendre votre mandat. Le 7, ça va se jouer dans ça.
Bon, lui il est pas cool. Voilà. Alors faites-moi les malins maintenant. Hein? C'est qui le papa? C'est qui le papa? Je vais pas vous crier dans les oreilles, mais bon voilà. Je sens que cet épisode là va être tellement long que je pourrais faire qu'une seule mission en fait. J'ai eu du sucre. Ah non, mais même pas de sucre. Bon. Que t'as du sucre, non, ça sert à rien. Allez, feu! Il faut tirer là, capitaine, juste là! Feu! Touche-le au bon endroit, il va disparaître! Feu! On est paré, capitaine! Feu! Ne lui laisse pas la place de nous prendre, capitaine! Ah, pas prêt à voler, capitaine! Voilà. T'as pas de sucre, et toi là-bas, t'as du sucre? T'as pas de sucre. Mais c'est pas possible, y'a personne qui a du sucre ou quoi? Je vais juste t'envoyer dans le feu. Hop, salut! Bon bah les amis, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Faut juste que je trouve un navire avec du sucre. Pour terminer le deuxième objectif aussi. Sinon j'aurais déjà terminé, mais comme je me fixe des défis, ben il faut les réussir. Donc ici on a que... Ah là-bas du sucre! T'as cru que j'allais pas te voir ou quoi? Allez, direction là-bas. C'est bizarre, les gens ils chantent plus. Regardez ce qu'il y a à côté. Ah toi. Au-dessus, toi, 15 dessus. Donc si jamais on n'arrive pas, 15 dessus. 10, bon bah t'as de la chance. Ah vous avez vu comment c'est beau l'eau et tout là. Le jeu est magnifique. Complètement magnifique. Allez, toi qui va prendre la pâtée. Feu! Ah, capitaine, c'est là qu'il faut tirer! Ah, on attend que l'ordre! Un navire s'est au bon endroit, il va disparaître! Feu! Hein? Allez, les baleines! Pas trop vite, parce que sinon. Reste collé à lui, empêche-le de nous heurter. Donnez-moi de la vitesse. La feu c'est là qu'il faut tirer. Subis des dégâts. Faut la bloquer. Il est vulnérable à cet endroit. Frappe de loin, c'est avec ordre, capitaine. On va partir. Donnez-moi de la toile. Ça va se l'air d'être un gros grain, capitaine. Reste à bonne distance ou il va nous éprouver. Mon bonnet, je veux de la vitesse. Merlin, viens avec moi. Tu vas lui faire son feu. Cette partie du navire est inévitable. Prêt à faire feu. Hop. Et là, c'est le bon endroit, il va disparaître. On
Hop. Là c'est le coup de grâce. Oh, c'est ce que je sais pas tirer. Ça. Voilà. Mais voilà, c'est bien ce que j'avais dit. On y rentre 30 minutes. Une seule mission, c'est pas facile. Donc les missions mères apparemment sont plus longues. Le capitaine est à la barre. Les boucher. Va leur rendre visite. Allez, go. J'ai besoin de sucre. Oh, j'avais pas vu, il y en a un loup. Stylé. Ah oui, c'est vrai, elle est beaucoup plus loin, d'accord. 1, 2, 3. Eh, avec toi, Véléro. C'est sérieux, hein? Ouais, les gars, vous n'avez pas l'impression d'être un peu tous sur moi là? Allez. Ouais, ouais c'est qu'il pop. Bon, voilà, on a du sucre. 15. Pour être précis, j'espère que c'est assez parce que je crois que j'en avais déjà récolté sur un bateau. 15 cycles, vente de rhum. Hop, hop. Je sais pas pourquoi il tire comme ça. C'est bon, allez, on se taille. Tout ce qu'il nous faut. Bon, il y a un peu la voile qui vient de traverser notre bateau, mais. Déferler la grand voile. C'était nul, mais bon. 4-3 minutes de combat épique sur la mer. Ah, c'est beau. Vite, Taito. Vous autres. Non, les gars, tu veux voir, c'est caca toi. Taito, parce qu'on a deux... Les gars, ça comme ça, ça me plaît pas. Bien, et voilà, bon, ça m'a tranquille. Je vais sauter, c'est l'endroit où je peux pas sauter. Acheter des pièces de bordel, c'est quoi ça? Oui, je ne m'y connais pas en. En bateau, du coup, les pièces de bordel, je ne sais pas ce que c'est. Oh, trop stylé.
shit. Ça, c'est ce qui me permet de choisir mon intérieur de... Ah mais je peux acheter directement le... équiper ma vie. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Acheter des pièces de bordé. Pas des pièces de bordé. En fait dans ce jeu tu passes plus de temps à... Ah c'est ça. 10 canons de bordé puissants. Hop, c'est bon. Petit ensemble de canons à terre. Ouais, ça fait 30 minutes. Hein. Tu m'impressionnes, Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays. Seigneur, tu dis vague, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vauriens. Belle prise aujourd'hui. Comment est l'équipage, mon ami? Tous les hommes ont le sourire. Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid pour aller s'attaquer à une plantation. Une plantation? C'est ambitieux. Et profitable aussi, si on rate pas notre coup. Aïe. On va pas le rater. Donc voilà les amis, ça a été très long, mais, j'ai les 100%, donc, défi réussi. Et donc on se retrouve à la prochaine fois, je vais stopper là, on reprendra juste après ce truc, cette fin de mission, pour la prochaine mission les amis. Donc je vous dis à la prochaine, et ça tombe bien vu que là j'ai eu 100%, j'ai pas besoin de faire de preuves, donc la vidéo restera à 33 minutes. Donc salut les amis, peace, bye, et portez-vous bien.